Je garde un peu d'espoir. J'ai toujours gardé l'espoir. Ça, c'est pourquoi on joue le rugby, pour jouer le plus haut niveau que possible. Et pour moi, ça, c'est l'équipe de France. Donc, on ne sait jamais. J'ai toujours gardé un peu d'espoir, même si les derniers quelques ans, je n'étais pas dans le groupe. Je n'ai jamais dans le groupe. Donc, on verra. Je garde un peu d'espoir. Dès la fin du match, normalement, Philippe fait passer un communiqué annonçant que Scott est sélectionné, remplace Brice Dulin dans le groupe pour le stage qui. Enfin, pour le stage, non, pour la semaine de préparation des Fidji qui démarre demain. Voilà. Aux joueurs directement. Moi, j'ai quelque chose pour toi. Tu sais, tout à l'heure, tu comprends. Bon, allez, on meurt. Bravo. Tu vois que vous êtes rassuré. Forcément, Arnaud Kos est allé le voir après, puisqu'il l'avait vu avant. Bon Scott, vous venez d'apprendre une excellente nouvelle. Dans quel état vous êtes? Ouais, c'est un moment très fort. Le chemin était très long d'arriver à ce moment. J'ai passé dans des moments difficiles, des moments où j'ai perdu beaucoup d'espoir. J'ai jamais pensé que je vais arriver, mais j'ai toujours gardé juste un peu d'espoir. Oui, l'espoir et l'émotion, ça fait plaisir à voir quand même de voir aussi. C'est vraiment un bon moment à savoir qu'un maillot national représente encore quelque chose. C'est une très très belle image de Scott Speeding là ce soir. Voilà, il va prendre l'avion demain pour rejoindre Marcoussi avec l'âme d'un junior, mais le plus dur commence puisqu'il y a un groupe de 30 et il faudra être donc dans les 25 et même les 23 ensuite. Ça sera décidé au milieu de la semaine.